Excellent choix. Marhaba wa mliovani na wasi sayakumi na mbili yote ya dakika 30. Bisnungali gazeti vmojana mwana saindu, tiurungudu. Marhaba bibi, mna watkufu salamu njulanyu harumu wabandre wa zingizori mtutu watayarishiwa leo. Mfumone leo na mfumo tano ya meswali jilavutua na ujimlifu wazi shama za madaili ya noza mafundi wazi likolititi. Mfano SNUPP, FSU, Mayotte, CGT, Education na FIOM. Shama zikamba zuzu vutu jimbatoa shuke mabareni ubande wa momoju kinyume na ishari ya vinga lzina la blanke ya husu mtaramisho wazi likoli. Sharia ikamba ini mazai kubalisha na madepite harumu alibara za la mawaka la Asamblea Nasional la Gunipari. Maji yanudi ya maisha zindi zirungulishia babu na babu unyumini. Maji ikamba indi shtu ya handa irumishu yao harima za husiana na dezi za hula. Na yu ya senda na ushashia tidi maore tubi harima ole miungu pia babu ya lazimu ya hifadhiwe. Maore hunu ltisizo ya ukamba watu wakena tambu za shimaji lu la babu lauka namba wa markenye ngidi za rungulishia mba zindi za lazimu zirumishie. Ata ikemba watu wa rengelezi maendeleo ya maji harima istiwe ya shimao shika umunofu ilunga tungozini mitu mita mita yoka na ungulijana babo na babo hauvuta liji amba watu watahadhari ataikemba wazifadhi na tashaushi no dezinu unu mtu utu urongolisha amba uka wastahi shari ya deunu wafanshi ya nyumeni alina mfumo na mneo na watu hazi wali shirika la Karla Transport Mayotte jula udhamana wali shirika lini kamba wae kaka maorevano wakati mtu utu unu wakati wa nziani leo arongwamba anahaniza tu zi sharia za husu mtulio nziani mtuto mbeli za watu wahazi ata watu wahazi wa waregi ya bahazini rangu isuku ya jana na banka murungu wa banu wa bandhi ya wawo waoni hanomba wala watungishata mtuto na watu wa nziani wasudunga mindu mita mita mbeli za mhakimu. Isharia ya vinga lzina la Blanqueur, waziri wa msomo Faransa, wahusu. Isharia kamba hiyo ihusu namna ya maendeleo ya zilikoli meso. Ikubalishia na madepute mazari na wanawakati namna isharia kamba raa. Yoka ya sushinda ya jivitza watu ikamba zindi shama za madailiano, uzazi msomo, shama za madailiano. Wengilmazo ikamba leo, mfumonia leo mchiri na sita wa marsi. Jilo livu tuwa mfano maurehu na SNUPP, FSU, CGT, Education na FIM, amba watu wa shuki mabareni momoju. Haundu urongwa, wabenote na raha haumara ingina, amba wawo wakinyume na sharia nordeni yoti wanziani. Mfano mwonibano bandhi za koleji na likoliti itiprimeri zijezi itangansiwe mmoja. Tungu ikamba wawo wasuo na wajau amba itosongishana kwa kila hali mafundi. Wasukena mrongo, wasukena wanafasi ya wafanya hazao na mna za lazimu. Mtu utu kamba usungulishi amba meso tina raha ikai lazimu uki ya basa. Watu wa sujovenuwa de ukinyume wao na mbili za mkauzio. Wabandhi za kanuni harma yi fonksyon publik. Faidi Swahili. Mtutu hukinyume na sharia ya likoli ya nyume ni ihiroa o loa Blanqueur. Iheti wa mfumoti jao Faransa. Be hunumaore yanziro upara watu wa shuke mabareni mfumoti, lema na mafundilikoli walio mabareni mfumone ini. Zama daili ya nukabenze shareni ya tiluanziani, hususwa ni nukta ya handa yahe, ibalizao mafundi wa rongwe shitu wa itahao ya husu likoli au sirkali ya msomo. Wao kakubali waja wa ambabandi za likoli watojua watanganise wanazioni wa likoli za utini na wao walio koleji. Kawastaha mgaudio ya msomo ya lise na ya mpihano ya baki au hazi zizimwe hatui likoli. Na kawastaha shika ozingulizao mawakala wa zama za dailiano na mazefuao zigaudziwe. Hunumaore wanu watutu hao wataha maha ya hazi zihasibiwe harmwa mshahara au retreti. Watobenza waja wa mshahara yengezewe na indexation hatunda 53 harmamia na wataha wapare allocation familial yani marke ya usaidia ujama sawa na wanu walio Faransa mnofu. Fumotano, watu watoshuka mabareni ya husu mgaudio ya sharia ipingao mafanyahazi ya sirkali na uvandre wa CGT Education wareme uguguru ifanishi hao na la polisi Faransa wakati watu watusu hao. Alakuli halito kanziro mfumone na ufumotano unu watu wabingegari harhari na dagola momoju. Eba banu wa maore wakabili tashaushi za maji inori de mwa 2017. Babo maore kaistena harmwa hifadhi ya mkutulio wa ya maji
pisizo na kila hali silongoleshia amba lu ulababu lao kanamba wa Marquez kwa mba zini za longoleshia amba sotiwa nziani misada ya shisirikali inumishie taikemba watuwa rengeze maendele ya majiharu mwa isiwa ya shima ore mfano mwa 2017 ikamwizo wa Februari Erika Barrett wakati aka waziri wasi zafara nta za bonze akatekeleza amba wa milioni za parazaidi 40 na mbili za ero za tayarishwa na hadisi norde iyo de uyo mwahao beka de mwizo wa septembro bibi Erika bibi Annick Girardin kama waziri wasi zafara nta za bonze wa jau akarongwa amba wa milioni zaidi za 17 za ero za tayarishwa haujo rengeza maendulu ya majari mwesiwa ya shmorelewo wengi halisidu wa hijau lijimba tisidzu lula babo ilazimu watu wake hashiri uraisi wa Siam wala Musa Muhammadi Bavi wae asurongo wa stongo haupata watu makini mwana papi narevulishi ya harma ya mikro ya orele fevriye leoneka mfano amba wa tambu ya maji kaito kamba tambu ya maji choka vahali moja tu betangu ya maji choka pia maore kaito kamba banu suidile kaito kana maji au noruina au petitirina beto kamba nekabu wa tambu ya maji itoka amba maore pia neka maji mana hazisi ya muwazifanya leo rifanya shtu rongolo wa interconnection rtolenga maji ya noru rtojua rebele suidile rtojonga ya suidile rebele noru rtojua renge rifanya shtu rongo izun dete salma ya petitir izun dete salma ini Inis fanya maji tairenge maji petiteri wayabele he suidi na hazio tihale chokoma. Rifanya na shtu zungulo forage. Forage zini serenga maji buti, ramosu ya renga buti riaheze, atavanu risuenda madzafu tihale forage zini chokoma, zipare ridistribuye maji malagone. Rifanya na shtu zungulo wao pompage. Yani senga maji za mironi risibele harma zitini. Rifanya na shtu zungulo wao tena harma pompage na captage tena. Amba zilipia surzengea amba srenga majanu ya vile harma zretenu pare zretenu wapare waziani se harma pia harma iti leone kamfano watrasurungu amba retenu kazaja ya kweli retenu kazaja ya bensufkira amba forage na captage na spompage nazi izunde de desalma ya ptiteri tsorsaidia tapara renembeli tambu isuke kamwa benzi Deo nani zatura hamba varitu nikoline ya raru ikamba detarishwa uvande wa tingoni. Bera haba nraparabanu kapusi mtutuka uti ashindao rongwe. Amba zihazi zotu andisa lini au lini. Kolektif de citoyen de mayo tuleo yu ina taradu di mbeliza mgilio. Hawa wengi ya watu ikamba wanu wasudunga anzia za shizani haula harmu albara la Afrika. Grand Lac watu ikamba wanu wengine wao mademander d'asile na mnatu wa rongo wao. Wanu watu ikamba wao mtarmisho wao wangina. Kawartojo wafanisio na wasali ya nordi wao walao komori mfano. Wajao hawa wengine wao wazunguwa maisha bora. Wanyumenu wanu wao kana uregezi wa babo na babo. Harma itia o kolektifu leo yu shenziasha inamna ya itafauti ifanshia watu namna warengo wa mwasi la mwasi ya shimoro na wao wanafaza tenara amba ukirikamba atashaushi tena na uengezia iku suku yaja na wakala ikiwa na usuprefe mahadisi ya renge mkabala wa lirambili na mneo badi ya mavuna yao kayasi namna ikamba watu wako zilindulia nao Bwana Fimo Silai unu mwana wa kolektifu sujibu maswali ya Fratisu Saida. Wasi manatara rajaparana patna na faransa mpia siru shujamba de hifadhi ya iti ya tuini. De hifadhi na amani ya tijuvan. Wasi rusungalia wa walawa harmana tiza watongo mari ari madziamabu lile Grand Lac. Ma afrikanu wa jofriki wa shuko wabani maurebani. Wasi rusujabani watu hala. Shujua tambu zloho na kondro zloho na nguwade zloho na pia situ zloho amba utuwa shuka na zobani. Chuzo surutambishia wasi wakazi vani makatirambo na mneyo. Wala karsona amba isirikalia dola isfanya jitia deheta amba chutuzini zia. Mana tini watuwa sungia hawa ingimani wala sharia kaisuwa zia be. Uru amudi samba tungo tini au tini lazimi fanywe so ambi wamba banta kapsi konro wamba rakapsi umani babo karusha tungo tifanyi watuwa swalishia wasungia ata banta lini tungo zini donku makatra disa suala amba watuwa nu tungo tini tufanyi wao wasurele zamba watuwa o woka wala bandu mmoja banta kala bandu mmoja yanziro waregeza bandu mmoja mana wafobu henzi ya zinyengi mba wataregeze donku tungo yo wasurunga wari yanziro na wawo basuruwa disa mba ubandelo nziro na wawo basu ajariatu yo mana hili ajariatu ni wetimbe ukufurui wabu ajariatu wasi deke tukan ziro na wasi nekaribu ya maridish na mneo wasirongo watungu karakubali mahadisi hili wajo na mneo donku uriambia na wabu amba wasi honu bandaloka amba wasi de matundanu ujwa zijirio ribingea jauzi tishihada za tungo zinrizrungu wawo rungwa iwaru tufanya hazi irlawana na mneo na uwasuru bazo watari bezube wasi hewa zuwaru bazo karajibwa nazo
Habari zangina le markabu ni hiro toner ya kaya virananzi ya tu maore isuku ya jana asubuhi na eni ulingafungu harumu aziazi za mari nasionale ubande wa iti ya faranta markabu ni kaizi ya mwana papunu haa wibu ikomba ya harumu msafara winda harumu albavu la Mozambiki aundufanya hazuo Mozambiki na ani zao mbadharuba ya idai ifanya swafi tongonye ngi kafa hawa ngili labiria watu wa maore wajao wasurengafungu haa india ya lakuru wa rushu marehunu toni za para 21 za zitu skwamba dezivelo ahole za baizio yesuku ya jana uraisi wala kura rujuma marehunu asuji masuala ya andri rakutu ndavole leo arvoi jumba ya kura rushu rina bavula ya tin pirwa ni yu jumba tina ya kura rushu rirumia one kamba vwa kafazi jiro arvoi baria indi swani izu ya vira Mozambique donc leo si rumia zombo zikomba zoka avant tropo ya shkroruj ya maore tuzvela Mozambique munvavo rina zombo nyingi za para toni 21 mazombo rizvela o Mozambique kusani sufanya zina mamilitera wa Faransa mana odo luna zi zombo mazlos so pa so zi mister fansha mata zutini material ya zombo zini zwa sili Mozambique ha haraka mokumana na paraba vwa markabu ya la marine iloran jor saidia arvinge sombozo ta Mozambique bande mfumo wa mtutu watu hazi wal shirika la kala mayo transport wa regia mazini ikale mfumo raru ya jana isongulisha amba ukirikamba mregeo wa udhamana wal shirika lina rumo isio ya shimori wakati kamba kaka banu wakati mtutu unu wandi saindi ya tungishata watu leo washinda paranja ya masairi ya nu wa regia hazini mtuturu mnani za nimba unu srungule shamba wakati wanzi ya ni na shika wui kwa mba wanu watu wa yorenga ufungu harumu wa shama za madailiano za mbali na mbali watu wa sona mba unu kawastahi isharia munivano uzamana unu ukarla baltusi wae ahadisi na watu wano awana hani za tude sharia na mnazaketi na waiwaja odeura isi wa medefa wana hani za mwenshitiwa ya shimaore bibi karla baltusi ya sujibu masuala ya faitswaili ma représentant wa twahazi wa kuambilwa rangu début wa kuambilwa na la diecti wa kuambilwa na la CFE na CFCGC na CGTM ma syndicat amba yuti denamne ni kam to atafanya shitu yuti denamne donc wa ku joa feti amba ti denamne beka kawa kaweleza watwahazi amba shitu wa kufanya yuti haki yuti sharia yukas dugana tash to you itokiri donc leo watu waele wapia donc yo demana wa regia pia hazini tiwa eleza mayangu akofanya operation yo demana tikati pashia donc tikati wa eleza amba wa mlindre ta Niger wasi madzari dzihamba kula suku nika rinatambu nika rinashitu tsari adisi risifanya azivu wa moja donc leo wamitsaele wa mana watu wafanya shtuyo parce que wamintso namba wafanya wa menya bika wafanya udai haki ya watu hazi donc leo alhamdulillah watu pia waregeazi rimoshan mara balangu mafutia jitiadi. Marhaba mwana saindur tuparana tena saya handra alira itukamilia aujourd'hui li gazete el wayashi faranta. Merci d'être parmi nous sur la première, il est 6h43. La matinale avec Only Entreprise, votre partenaire télécom. Only, istawi. La revue de presse locale. La revue de presse locale présentée ce matin par vous, Chafanti Alibako, bonjour. Bonjour Yumna. Et nous commençons par ce rapport qui fâche, qui fait la une du journal de Mayotte ce matin. C'est un rapport parlementaire qui traite des discriminations en Outre-mer qui a été présenté hier par les membres de la délégation aux Outre-mer de l'Assemblée nationale. Et sans grande surprise, il dresse un portrait de notre île qui n'est pas très reluisant. La délégation était venue dans notre territoire en octobre dernier pour se rendre compte de la situation. Éducation nationale, inégalité d'accès aux soins, aux services administratifs ou encore des aides sociales. Nombreux sont les problèmes exposé dans ce document. Au journal de Mayotte de préciser que la question migratoire est celle qui revient le plus. Refus de la part de certaines collectivités de scolariser des enfants issus de parents clandestins, décasage, logement indigne ou encore limite de la prise en charge des mineurs isolés. Voilà parmi les problématiques remontées à Paris donc. Et depuis 2017, un schéma
départementale d'assistance éducative a été mise en place, mais les structures d'accueil font encore défaut, rapportent nos confrères. Le rapport étaye certains de ces dires avec des chiffres à l'appui. 84% de personnes vivent sous le seuil de pauvreté. Celui du chômage est de 26% ou encore le taux de jeunes sans diplôme, 63%. Les difficultés pour l'accès aux soins dans le milieu éducatif sont également largement évoquées. Les élus maorais comme les membres du gouvernement ont par ailleurs brillé par leur absence à la présentation du dit rapport, ce que certains, comme la députée polynésienne Maïna Sage, n'ont pas manqué de condamner, nous relate le journal de Mayotte ce matin. Et on peut lire également ce matin que le système logistique du port de Longoni se modernise. Oui, Flash Info nous apprend que la société informatique Marseille Diptis International a décidé de doter le port de Longoni de l'application mobile du Cargo Community System CI5. Alors de quoi s'agit-il concrètement? La réponse nous est apportée très simplement par Norbert Martinez, président de l'Union Maritime de Mayotte et ancien président de la Chambre de Commerce et d'Industrie. C'est un Facebook professionnel, a-t-il résumé. Un outil qui fonctionne de la même manière que Google, avec l'avantage de la rapidité et de la fluidité, puisque selon lui, il y a moins de clics. Ces nouveautés permettront de répondre aux besoins de fluidité, de sécurité et de traçabilité de la marchandise pour les professionnels et les administrations. Alors, ce système permettra également de mieux maîtriser et piloter la chaîne logistique entre les différents acteurs du port de Longoni directement depuis leur smartphone. À noter qu'il y a 6 mois, la société mettait en place ce même logiciel au port de Marseille. Et la mobilisation d'un bateau de la Marine nationale qui doit venir en aide aux populations du Mozambique. Toute la presse en parle ce matin, Chafanti. Le navire Tonnerre au secours du Mozambique, peut-on lire dans Flash Info. 10 jours après le passage du cyclone tropical Idai sur le Mozambique, au 25 mars, les derniers bilans font état de 417 morts et plus de 1500 blessés dans le pays. La réponse humanitaire s'organise au plus vite, malgré les difficultés d'accès toujours rencontrées sur le terrain. Alors les nouvelles de Mayotte nous précisent que c'est l'un des plus grands navires de la Marine nationale et qu'il est reparti avec 25 tonnes de matériel et que 80 tonnes ont déjà été acheminées depuis la Réunion la semaine dernière. Nous y reviendrons en détail dans le supplément tout à l'heure, ce sera avec Johan Deleu. Et enfin, la grève à la SOGEA et à la SMAE qui dure depuis maintenant 2 semaines, les nouvelles de Mayotte nous en parlent ce matin. Et on comprend en lisant l'article que le mouvement s'enlise puisqu'aucune issue n'est à l'horizon pour le moment. Et les femmes leaders ont rejoint la manifestation hier pour apporter leur soutien. Le journal précise qu'elles ont protesté, elles en ont profité donc pour protester contre l'augmentation du prix de l'eau et les conditions d'accueil dans l'espace client de la SMAE. Elles n'ont pas obtenu gain de cause auprès des directions. L'autre syndicat de la SMAE, non présent à la SOGEA, n'appelle pas, quant à lui, à la grève. Donc, nous précise le journal Les Nouvelles de Mayotte, puisque le syndicat en question déplore de ne pas avoir été consulté. La CFDT jouerait donc cavalier seul. Quoi qu'il en soit, la CFDT, elle, compte poursuivre le mouvement malgré les menaces de licenciement économique ou de chômage partiel, dont Camardine dit avoir fait l'objet au cours de la réunion d'hier après-midi. Voilà donc un article à lire dans le journal Les Nouvelles de Mayotte ce matin. Merci beaucoup Chafanti, on se retrouve à partir de 7h et nous poursuivrons bien sûr avec la revue de presse régionale. Merci de votre fidélité comme tous les matins, nous vous donnons la parole. Vous pouvez d'ailleurs dès à présent nous appeler au 60 01 01 ou encore nous envoyer vos messages. Vous avez également la possibilité, comme vous le faites depuis tout à l'heure, de réagir sur la page Facebook de La Première. Mais avant, voici le journal des auditeurs. Vous avez la parole. Appelez à tout moment, 24 heures sur 24, sur notre répondeur et laissez votre message. Allô, salam alaikum. Toujours le ministre Taï, de Maoli à Toubaku. Yanni, parce que ma gare, c'est un bien soit pas le babou, à Soubaboutini, de Malafelour, on a le pari. Yanni, quoi l'autre, tu vira, ou pas de son bouzin, on a un gâte malafobé, je vois le tambia, on a un bouzin, on a bissi, malafobé, on a un gâte, 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 on
des îlots. Parce que le département de l'autre part était là. Il y a un obligé de le faire. Il y a malafoué, on est comme un bateau, on est comme un bateau, on est comme un bateau. Ça veut dire qu'il y a un problème à dire. Je suis un équipement, je suis un malafoué. Je vois le temps bien sûr, je suis un malafoué. 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 Vous avez la parole. Appelez à tout moment, 24h sur 24, sur notre répondeur et laissez votre message. Merci de votre fidélité sur Mayotte la Première. Il est 6h50 et on vous attend donc au 60-01-01. Vous pouvez revenir sur ce journal des auditeurs. Un coup de gueule. Et d'ailleurs, vous nous demandiez un petit peu plus tôt le numéro de téléphone du journal des auditeurs. C'est le 60-26-81. N'hésitez surtout pas si vous voulez réagir. Vous pouvez également nous envoyer vos messages au 69-67-67. Et on vous donne la parole immédiatement en direct. Bonjour. Oui, allô, bonjour. Bonjour, bienvenue. Je suis bien au Mayotte Première. Vous êtes en direct. Oui, alors je vais parler en Simaoré pour que mon message y passe bien. Mm-hmm. Je veux juste dire, ça a un biais, ou à trouver un fungao, zignombe, ma varène. Ah ben, il fallait très attention parce que voici ma chauffeur, il s'y mettait via tout en danger. Parce que tous les jours, on se confronte à la nyambe pareni, magari à Sivitana et tout ça. Donc, du coup, ça risque de créer des problèmes. Mmh. C'était juste ça mon message que je voulais faire passer. D'accord, bah si, Havi Swafi de Wawa Maizi Tachaushizu. Ah, Pia, c'est partout, hein. Pia, au club, pareni, va nous ouvrir, ou se para Zinyama, Zisitrene, entre Zinyama, Magari, ça crée des problèmes. Marabas, voilà, par exemple, où Arna virage, en plein virage, où dès que Arna virage, pareil, où la Zanana Nyombe. Donc ça met nos vies en danger. Donc, tu as Fongos Nyombe, ma vareni, ou à faire attention. Ewa, Marabas. Rika, iki avavu ambao ni mluna zinyombe mavareni mfanye jite adi mu kini mtu mwana pavi nyombe zo pareni mana sutambisha usuani wa wavinga wa magari mwana mama unareleza uzuri ato mfano tena amba mfano nekazi vita na nyombe yo armwa viraji tujua ivinge ajali angina arsumba ni mrongo wa nyumulio vana wa sikaribu. Alo. Oui, kwezi. Bona, yezeba, mabari. Ahaira, alhamdulillah. Na mwambe mnyawe wa rongo mba sama la vwe katuwe chipaka masunga nyombe mba doa sama masunga nyombe itawa ene atu ya jakati ya jia uu. Relezi manati ya ili. Devu arambe wa sama masunga nyombe mba babo paka dewasi masunga nyombe jori ya kati. Vosa yori ya dawe pareni basi wa ya vingo garda ya jia uu ya mtambisha uu. Na ya kati ya jombe sude paka wa sama masunga nyombe. Ewa. Aikia. Maraba. Okay. Mm-hmm. Ewa, santa azote. Aya, subuhi ya hairi wanyoja utina mliova na wasi mtujwa mtuwe za nyufikira. Karibu. Bonjour. Bonjour, bienvenue sur la première. Waje, je m'en fête. Alhamdoulilah, Rabbi Alamin. Dawa, wame, taha, mwenula kalagua wabu wana rezo sosi. Tuko za nyombe parenzile, paske, pekie pire, dangereux, même la nuit, pour wakati usi c'est d'appareni en plein virage la nuit c'est pareil on peut pareni il faut quoi carrément appareni donc on est bah il a dit mon relevant parce que wasingaza sauf la vie avant tout parce que avant tout wasinga carré on peut m'appareni m'appareni je sais pas est-ce que mbani de toringa responsabilité ou autorité tini attache cuisine ici dirité là parce que c'est très dangereux. Merci monsieur d'avoir réagi sur Mayotte la Première. Vous avez également la possibilité de réagir sur la page Facebook directement. Bienvenue sur la Première. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Somani, en fait, je suis là pour tenir juste là-dessus. Les Mnyangu, à Kahira, va savoir la proposer à Malavia Nyombe, à voyager à Katoy. Si que Mbam Mnyangu, au début, Kakarongamba, forcément, de Wasunga Nyombe, de Kutuya Malavu, et Kurungamba, vu que des Alikawasanga Haziayo,
watajua wakutoe au moins watilizi nyumba zao watini maana serikali kaishi kufanya hazia hivi beka rungu ambao mani wala kondro be donc waya hili sikomti mora jasera au kajiba la chumia rungu na mnyeka rungu ambao kondro apropos na hizi nyumba tena na zinyama zilishoma varini zifungao ubora tumemwa au niveau ya mapassage amba lazima na trottoir ça c'est pas bien je suis tout à fait d'accord avec la dame au début de monsieur donc merci. Merci à vous, monsieur. Et vous êtes nombreux à nous appeler au 60-01-01. J'imagine que vous aurez l'occasion d'aborder ce sujet un petit peu plus tard. Peut-être dans vos émissions, vous aurez un petit peu plus de temps pour vous exprimer, car malheureusement, nous n'aurons pas le temps de tous vous donner la parole. Mais on vous écoute. Profitez-en, vous êtes en direct. Bonjour. Bonjour. Oui, allô, bonjour. Oui, bonjour, on vous écoute. Oui, en fait, wami, salam alaikum, wami nemati. Wa alaikum salam. Na kuhira mana wanu, wami nyembezo tu deza usonga tahatu. Tini dia usonga basi. Ya mbio nzini tombe wa mpani. Ndara mwe masibu ya mbabu mbio engine ya tombe wa mpani. Wala kartona ta elimoja amba asu ima, amba asu dailia ima ure. Yode shtu swapi wami, niri yao, yanshangiza maana tusho mbapa ni zambio nzini tusho isia havi au tusho isia havi yeso fede shtu wami yansonga. Merci. Merci madame d'avoir aussi réagi, même si ce n'est pas du tout le sujet abordé par les autres auditeurs. Voilà, ça fait partie aussi des interrogations. N'hésitez surtout pas. Vous avez d'ailleurs la possibilité de laisser ce message sur le répondeur de Mayotte la Première au 60 26 81. Vous êtes en direct. Bonjour. Allô. Oui. Oui, salam alaikum. Wa alaikum salam. Wami nisrongwa ba, si ne solution yo ya nyombezo. C'est quoi la solution, les solutions bas? Solution. Kulara mo para nyombezo pareni ya tostawi ritinde. Non. Yo babu yo kamwe tsojo na ulisha randambeli manazo. Jo fait amba yo tsitongo tsojo rirongo evan. Oui, jo abe non. Ah oui, les kamwe na blague. Non, blague, mais c'est blague. Non, je fais un blague, mais toujours à Irungo. Mais si j'y vois, maintenant, on ne sait pas si c'est avec qui. Bah, si, blague, maintenant. D'accord. Mais juste un peu, Ramongala, comme tu nous vannes. Alors que vous la magare à toute vitesse, il est obligé à ralentir. Donc, non, na akibe. Donc, na akito. En plus, vous jouez un peu, vous sauf na antoisiri yao. Merci donc d'être avec nous sur Mayotte la Première. Et bah oui, tout le monde réagit. Et vous avez donc l'occasion aussi de réagir sur la page Facebook. Non, j'en ai pas du tout peur, si parfois ça fait un peu peur. Allez, je vous donne la parole au 60-01-01 rapidement avant donc de poursuivre avec le journal. Et vous êtes effectivement nombreux à nous appeler. Nous proposerons ce thème, pourquoi pas, à notre collègue Adams. Comme ça, vous aurez 2 heures pour vous exprimer. Bienvenue, on vous écoute. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Parrain Babo, alhamdulahi, wazi nyombe, wa ubinadamu, wana problemi nyengi tuti jivani. Safe, jambani uwa mwurunga mba nyombe zusu deza mtea shuhuli, ya mvide mtea shuhuli. Wasali ya mkini tena mviwezo kaza watea shuhuli. Alor dikura munu mwa situation nyengi, problemi za nyingi ta uparamba ta mkini, tampa mupuze kesi. Pabrus dibona twangina yani rozatu zi lembele ya kesetos na rinye mwezi mungu mkini tongozini zidari rabu zita zina tongoritsa urira mpamurongo atongo mentsi arongwa nai nyeta eswa mabir sujibi yani ile shuku franchement ramon ma problem de mata za sira za zulo nyingi ba grevu wale ba wanu dagoni tusa. Alors, je vous rappelle également
que dans le cadre des élections européennes, la présidente du Rassemblement national est en visite dans l'océan Indien. Première étape ici, donc à Mayotte. Et elle sera donc l'invitée du journal ce soir. C'est donc Marine Le Pen. Un rendez-vous donc à suivre en direct sur Mayotte la Première. Donc télé, radio et internet. Merci donc de votre fidélité. Vous pouvez donc dès à présent poursuivre vos réactions sur la page Facebook de la Première. Nous prendrons également le temps de les lire un petit peu plus tard. Il est 7h. Les titres avec vous, Chafanti Alibakou. Bonjour Youmna, bonjour à tous. À la une, la manifestation ce mardi et demain à l'appel d'une intersyndicale des enseignants du premier degré. Elle incite à descendre massivement dans les rues de Mamoudzou contre la loi Blanquer sur l'école de confiance, une loi qui a déjà été adoptée par les députés. L'eau, une denrée de première nécessité qui se fait de plus en plus rare et donc dont la préservation est primordiale. L'inquiétude reste grande malgré d'importants investissements annoncés. Les réunions du comité de ressources en eau se succèdent. Une grève qualifiée d'illégale, c'est celle observée durant plus d'une semaine chez Carla Transport Mayotte. Un simple rappel de la loi a suffi aux grévistes pour qu'ils reprennent le chemin du travail, mais des procédures judiciaires ont été prononcées à l'encontre de certains d'entre eux. Dans le reste du programme, Anshia Bamana, maire de Sada, est l'invité de Zakweli ce matin. Ismaël Saïd Kombo revient sur la manifestation avortée des candidats opposés à Azali Assoumani hier à Moroni dans son édito. Dans le supplément, nous serons avec Yohann Deleu du journal de Mayotte. Et enfin, dans le Bon à savoir, Siti Daroussi nous parle de la garantie décennale. La loi Blanquer sur l'école de conscience adoptée par le Parlement, une loi qui ne fait pas l'unanimité au sein des organisations syndicales de l'éducation nationale. Ce mardi 26 mars, une intersyndicale des enseignants du premier degré SNUPP, FSU Mayotte, CGT Éducation et FAM appelle à la descendre dans les rues de Mamoudzou pour répéter une fois de plus son opposition à cette loi, une loi qui prévoit notamment et dans certains cas le regroupement des collèges et des primaires. La contestation devrait continuer encore demain mercredi avec cette fois-ci une manifestation contre la réforme de la fonction publique. Faïd Souaili. La grève nationale contre la loi Blanquer est fixée au samedi 30 mars, mais à Mayotte, difficile de mobiliser le week-end, c'est ce mardi que descendront dans la rue les enseignants du premier degré. L'intersyndicale ne veut pas de la loi Blanquer et notamment de son article 1er qui institue un devoir de réserve pour les enseignants. Autre refus de l'intersyndicale, celui de voir des classes de primaire au sein du même établissement que des classes de collège ou encore l'application de la réforme du lycée et du bac et la suppression des postes. Quant aux instances paritaires, elles seraient menacées selon les syndicats. Au niveau local, les syndicats souhaitent la prise en compte de l'ancienneté générale de service et une indexation à 53%. Mercredi, c'est contre la réforme de la fonction publique que les syndicats défileront dans les rues de Mamoudzou, mais aussi pour dénoncer les violences policières au niveau national pour la CGT Éducation. Il faudra donc prendre ses précautions ce mardi et ce mercredi si vous voulez circuler dans le centre de Mamoudzou. S'achemine-t-on vers une nouvelle crise de l'eau dans l'île comme en 2017 ? Mayotte sera-t-elle encore soumise aux coupures d'eau ? La menace n'a jamais été aussi présente. Malgré les 42,2 millions d'euros d'investissement promis par Erika Barrès, alors ministre des Outre-mer en février 2017, ou encore les 17,3 millions d'euros pour sécuriser et augmenter la ressource en eau annoncée cette fois-ci par l'actuelle ministre des Outre-mer, Annick Girardin, c'était également en septembre de la même année. Ils sont bien nombreux aujourd'hui à tirer la sonnette d'alarme, alors que aussi les réunions du comité des ressources en eau se succèdent. Aurélien Février. Ça reste des millions dans le papier, des éléments de langage, c'est bien, mais en réalité, terrain, c'est que nous, on sait que l'eau sera coupée.
Prédiction signée à l'Imadi, le président de la Fédération mahoraise des associations environnementales. Le président du SIAM, lui, Moussa Mohamadi Bavi, est plus réservé sur le sujet. Là où je vous en parle, je ne peux pas dire oui ou non, mais nous travaillons. Nous ne voulons plus vivre ce qu'on a vécu en 2017. Et quand on donne les taux de remplissage des retenues collinaires fournies par la SMAE, 98% pour Dzoumoni et 74% pour Combani, les chiffres ne plaisent ni à Safina Soula des Associés du Sud, ni à Ali Madi. Combani, 74%? Non, c'est de la rigolade. Je suis désolée, mais il faut vraiment qu'on revérifie tout ça. Une partie de l'eau de Combani a été ramenée sur Dzoumoni. Pourtant, le président du SIAM assure que même si 79% de l'eau potable dépend des retenues, Mayotte a désormais d'autres options. On a l'usine de dessalement de la Petite Terre qui est en cours de finalisation. Nous avons les forages d'Apani, Akoua, Gouloué, Majimbini qui sont pratiquement finis. Nous avons des captages avec l'interconnexion nord-sud. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, s'il y a une crise, ça ne sera pas que le sud qui va être pénalisé. Ça sera l'ensemble de Mayotte qui va être pénalisé. Quand il y a une coupure, ça sera une coupure généralisée. Mais ça ne sera plus un secteur. Là aussi, Ali Madi de la FMAE est moins optimiste. Personne ne peut nous dire clairement où est-ce que ça en est. Ce qui est fait n'est pas suffisant. Il fallait faire des puits, il fallait dévier des rivières, des choses comme ça. Et tous ces travaux-là, malheureusement, on a pris énormément de retard. La qualité de l'eau est également pointée du doigt par Safina Soula. Nous avons rappelé au préfet que, toujours est-il, que les problèmes persistent. Le réseau en eau du Sud est toujours pourri. Il n'est pas réparé pour autant comme ils nous le disent. Parce que ça faisait partie de ce plan d'urgence. Il faut absolument que nous arrivions à un moment donné à protéger nos zones de captage. On rappelle qu'une troisième retenue collinaire est-elle toujours en projet? Elle devrait voir le jour dans la commune de Tsingoni. Devrait, car personne ne sait aujourd'hui quand vont débuter les travaux. Le collectif des citoyennes mayottes qui est sur le flux massif des arrivées de clandestins en provenance de la région des Grands Lacs en Afrique, des demandeurs d'asile pour la plupart, ces personnes qui bénéficient donc d'un régime spécifique plus avantageux selon les autres communautés en présence dans l'île, à l'instar des Comoriens, en quête d'une vie meilleure, même si ces derniers sont souvent reconduits à la frontière. Le collectif des citoyennes mayottes pointe du doigt cette différence de traitement et quand un conflit entre les deux communautés. Et après 2 heures de discussion hier sur le sujet avec le sous-préfet, c'est la déception. Fumo Silaï du collectif des citoyens de Mayotte au micro de Frati Soufsaïd. Les Africains qui arrivent à Mayotte ici sont reçus, il y a des organisations qui les reçoivent, qui les accueillent comme ça, et il y a tout ce qu'on fait pour qu'ils soient régularisés, je veux dire en obtenant le droit d'asile ou autre chose, et reconnus comme réfugiés. Nous craignons que ça explose en conflit par rapport aux distinctions entre les traitements des dossiers ici. Aujourd'hui, il y a une trentaine de personnes d'Africains qui sont arrivées à Mayotte, et ça c'est tous les jours. À côté de ça, le fait d'institutionnaliser le fait même qu'on ne peut rien faire, ça veut dire quoi qu'on ne peut rien faire. Ça veut dire qu'on continue de laisser aller actuel là jusqu'à quand? Donc la question se pose réellement là. On ne peut pas se contenter de cette réponse-là parce que ce n'est pas une réponse à la problématique. Et qu'est-ce que vous allez faire? Nous sommes des lanceurs d'alerte. Donc nous allons continuer à faire des enquêtes sur le terrain et remonter les informations nécessaires qui puissent permettre aux... Parce qu'ils ont besoin de preuves de ceci, ils ont besoin d'éléments tangibles, en tout cas fiables, vérifiables, pour qu'ils puissent réagir. Donc nous avons conclu une sorte de partenariat, même si elle n'est pas officielle, que nous avons à travailler sur le terrain, remonter les informations, leur donner les indicateurs, parce que nous savons qu'il y a des indicateurs, nous savons qu'il y a des passeurs et des réseaux installés localement, donc ils ont besoin de ces informations. Nous faisons le nécessaire pour leur fournir. Maintenant, nous avons aussi l'obligation d'avoir une sorte de suivi pour savoir à quel point eux, ils vont être sérieux dans le travail. Puisqu'on s'est dit comme ça, on dit on va le faire. Et après une semaine de grève, les salariés de Carla Mayotte Transport ont repris le travail. Le retour à Mayotte de la gérante Carla Baltus, absente du territoire pour raisons personnelles, y a été pour beaucoup. Ce mouvement déclenché par un collectif de salariés non syndiqués, considéré comme illégal par la gérante de l'entreprise, également présidente du MEDEF Mayotte, et pour Carla Baltus, un rappel de la législation en matière de grève aura suffi à persuader les employés à reprendre le travail. La méthode qu'ils auraient choisie dans cette grève comporterait des manquements à la loi. Carla Baltus, au micro de Faïd Souaïli. J'ai tout simplement expliqué aux salariés, puisqu'il y a beaucoup de salariés qui ont été manipulés par les représentants du personnel dans cette histoire. Donc j'ai tout simplement expliqué qu'il fallait reprendre le travail, parce que sans quoi je serais obligée d'exercer mon pouvoir disciplinaire. Et donc je leur ai tout simplement expliqué leur devoir et puis ce que la loi dit. Je pense que nous sommes dans une entreprise où le dialogue social est permanent. Donc les salariés, on se voit tous les mois, donc il n'y a
aucun souci quand on a besoin de parler, travailler ensemble. Et je donne toujours les paramètres pour que les salariés puissent prendre les meilleures décisions. À noter que des procédures judiciaires sont en cours contre certains des salariés à l'origine de ce mouvement. Et alors que le dépouillement des votes se poursuit en Union des Comores suite au double scrutin de dimanche, la tension est encore montée d'un cran. L'opposition, qui dénonce une mascarade électorale, a voulu marcher sur la place de l'Indépendance à Moroni, mais la manifestation a été violemment réprimée. Bilan, plusieurs blessés. Faïza Souley Issouf. Des heures ont éclaté entre les forces de l'ordre et la coalition de l'opposition alors que celle-ci se dirigeait vers la place de l'Indépendance ce lundi. L'opposition, qui a qualifié la présidentielle d'hier de coup d'État, a été malmenée par des gendarmes. Plusieurs candidats ont été blessés. Le docteur Djaber Ibrahim des urgences d'El Marouf confirme pour les blessés. Une douzaine de blessés légers. Tous ces blessés sont sortants. Ça, c'est très important. Aucun ne sera hospitalisé. Les candidats, j'ai reconnu Ali Madji, Mouni Baraka, et aussi Mzimba. Un autre candidat, Sedlari Fou, a reçu une balle dans le pied. Celui-ci est soigné dans une clinique privée. Par ailleurs, Campagnard et Achmet, également candidats, ont été brièvement interpellés par des gendarmes, puis libérés au bout d'une heure. Dans la capitale fédérale, les gendarmes sont partout. La circulation des citoyens y est vraiment restreinte. Les habitants semblent s'être barricadés chez eux. Moroni ressemble à une ville en état de siège. Et, en début d'après-midi, les abonnés de Comore Télécom ne pouvaient pas émettre des appels ni en recevoir. Et à Mayotte, dans le cadre des élections européennes, la présidente du Rassemblement national est en visite dans l'océan Indien. Première étape, Mayotte, donc, ce matin, avec comme programme une visite du centre hospitalier de Mayotte ou encore une rencontre avec le CODIM. Marine Le Pen est l'invitée du journal télévisé de ce soir sur Mayotte la Première. Merci à vous. Merci à vous, Moana Saïndou. On se retrouve à partir de 7h30 pour le journal en maoré. Pour l'heure, il est 7h10. Chafanti Alibako, la suite, c'est avec vous pour les grands titres de l'actualité. Oui, bonjour à tous ceux qui nous rejoignent. En Iran, des inondations font 18 morts et 68 blessés. Donald Trump signe le décret reconnaissant la souveraineté d'Israël sur le Golan. La Syrie monte au créneau. Élection présidentielle en Thaïlande, les deux camps revendiquent la victoire après le scrutin de dimanche dernier. La Chine achète 300 avions à Airbus, un méga contrat d'une valeur de 30 milliards d'euros. Et alors que le président chinois a été reçu par Emmanuel Macron. Des milliers de personnes issues de minorités chinoises ont manifesté pour dénoncer les persécutions infligées par Pékin. Dans l'affaire des écoutes, la Cour d'appel de Paris a rejeté ce lundi le recours de Nicolas Sarkozy. Des milliers de fonctionnaires en France ne travailleraient pas assez selon l'Inspection générale des finances. Le projet de loi de transformation de la fonction publique sera présenté ce 27 mars en Conseil des ministres. Et enfin, dans le cadre des élections européennes, la présidente du Rassemblement national est en visite dans l'océan Indien. Elle arrive ce matin même à Mayotte. Et puis on débute l'actualité régionale, bien sûr, aux Comores, où les tensions restent vives après le scrutin présidentiel. Au lendemain, soit hier, les candidats ont tenté de manifester contre ce qu'ils qualifient de coup d'État du président Azali Assoumani, avant même d'arriver sur la place de l'Indépendance, lieu du rassemblement. Ils ont violemment été dispersés par les forces armées. Des tirs ont eu lieu. Saïd Larifou a pris une balle dans le pied. Les candidats mettent Ibrahim Zimba, Ali Mhadji et Mouni Baraka ont été violentés. Deux autres candidats, Swali Mohamed et Ahmed Saïd, ont été interpellés par la gendarmerie avant d'être relâchés moins d'une heure plus tard. On dénombre 8 autres blessés légers. La journée a également été marquée par l'omniprésence de l'armée qui a quadrillé toute la ville de Moroni. Et alors que le code électoral l'interdit, la mouvance présidentielle a continué à diffuser des résultats victorieux pour Azali. Le président est même donné gagnant dans le quartier de l'ancien président Ahmed Abdallah Sambi à Anjouan, ce qui apparaît aux yeux de tous comme invraisemblable. Et puis à Madagascar, l'ancien président Marc Ravalomanana se défend d'avoir passé un deal avec l'actuel chef d'État.
Plutôt discret depuis sa défaite à l'élection présidentielle, Marha Valoman est sorti de son silence à l'occasion d'une rencontre avec les candidats du team, son parti, sa première apparition médiatique. Et il en a profité pour tordre le cou aux rumeurs. « Je n'ai passé aucun deal, je ne suis pas du genre à me laisser acheter », a-t-il déclaré avec force. Si l'homme a accepté les résultats présidentiels, évitant une crise post-électorale, il explique que ça, c'est avant tout pour que Madagascar devienne un modèle d'alternance démocratique en Afrique. Cette réapparition, c'est évidemment aussi une manière de se positionner pour les législatives du 29 mars. Celui que l'on surnomme Dada n'a pas l'intention de laisser le parti de la présidence rafler la majorité parlementaire. Et enfin, plusieurs experts venus du Brésil, d'Australie ou encore d'Allemagne sont en ce moment à La Réunion. Ils ont été conviés par la région pour échanger et partager sur les défis et perspectives de l'économie durable dans l'océan Indien. Jusqu'au 28 mars, divers sujets seront passés en revue. Le développement du secteur maritime, la gouvernance des océans en prenant compte les évolutions du cadre européen, l'attractivité des métiers de la mer ou encore l'innovation dans l'économie bleue. Hier, première journée, a été lancée une association Institut Bleu chargée de fédérer les acteurs de l'économie maritime. Merci beaucoup, Chafanti Ali Bako. Il est 7h15. Zakwedi, Andy Rakotundavola. Et direction Mamoudzou avec vous, Andy, bonjour. Bonjour Yumna, bonjour à tous et merci de nous recevoir chez vous. Ce matin, nous accueillons Anshia Bamana et les maires de Sada, mais également présidente de l'Union départementale des centres communaux d'action sociale de Mayotte. Anshia Bamana, bonjour. Bonjour André, bonjour à tous les auditeurs et téléspectateurs de Mayotte, la première, avec un coucou particulier des habitants de la commune de Sada quand même. Alors vous n'êtes pas venu les mains vides ce matin parce que pour la troisième édition des trophées Initiative FSE, la délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle avec l'appui des régions de France, récompense des projets innovants soutenu par le Fonds social européen. Et cette année, c'est Mayotte qui remporte ce prix, donc ce trophée Initiative FSE, dans la catégorie territoire pour son projet Passepala à Mayotte. C'est quoi ce projet d'abord ? Alors, le projet Passepala, ce parcours de professionnalisation des acteurs locaux de l'action sociale, est une étude qui a été menée donc sur le territoire de Mayotte en 2017. L'étude a été menée, conduite par l'Union nationale des CCAS, donc, qui avait reçu un financement FSE de Mayotte. Pourquoi l'Union nationale ? Parce qu'en 2017, l'Union départementale des CCAS de Mayotte n'existait pas. D'accord. Donc, pour combler ce vide, l'Union nationale est venue pour la première fois à Mayotte pour décliner ces études au sein des 17 communes, des 17 CCAS de Mayotte, avec deux volets. Faire un diagnostic territorial des besoins sociaux de la population et en même temps former les cadres des centres communaux d'action sociale. Et cette formation a été couplée par un stage d'immersion dans les CCAS de La Réunion, mais aussi de Métropole. Alors, il y a eu 150 projets, je crois, présentés lors de ces trophées. Il y en a eu 12 qui ont été présélectionnés. Et donc, Mayotte, avec son projet, sort vainqueur, en tout cas, de cela. Ça veut dire quelque part que ce projet avait quelque chose de très particulier qui est ressorti, puisque ça a été plébiscité par le jury, par le public. Tout à fait. Il y avait 4 catégories. Mmh. Il y avait la catégorie de l'innovation sociale, 3 projets étaient sélectionnés. La catégorie des territoires, 3 projets sélectionnés. La catégorie des compétences et enfin la mobilité. Donc sur ces 4 catégories, il y a 3 projets qui étaient sélectionnés, donc soit au total 12 projets sur le territoire national, sur 150 projets, et dans chaque catégorie, ben, on a primé un projet. Donc, dans la catégorie des territoires, c'est Mayotte qui a été primé avec le projet Passepala, justement pour promouvoir et mettre en évidence le territoire de Mayotte,
qui arrivent en dernier dans le giro des départements français. Et il faut savoir aussi que les centres communaux d'action sociale sont récents à Mayotte. Mmh. Le premier centre communal date de 2008 ou 2010. 2010 à Pamandzi. Dans la commune de Pamandzi. Et en 2014, toutes les communes se sont mises à mettre en place chaque CCAS dans chaque commune pour décliner nos politiques d'action sociale de proximité. Parce que je rappelle que avant, nous avions, les communes avaient des services qui s'occupaient de l'action sociale et ces services-là, normalement, ont été remplacés par les centres communaux d'action sociale. Je le rappelle, c'est un établissement autonome à budget propre qui travaille sur la question des politiques sociales. En gros, ce sont des structures qui s'occupent, qui déclinent la politique qui est normalement menée par le département, puisque c'est le chef de file des politiques sociales, et les CCAS déclinent ces politiques en proximité. Donc ce sont des structures nouveaux qui doivent être promues et les élus doivent mettre en place tous les moyens dans ces services pour décliner cette politique sociale, parce que nous savons aussi qu'à Mayotte, nous avons beaucoup de besoins en direction des personnes âgées, des personnes en situation de handicap, mais aussi toute personne en difficulté sociale, que ce soit les familles ou simplement la jeunesse avec des problèmes d'insertion sociale. Alors, vous avez dit tout à l'heure que quelque part ce prix, c'était pour mettre en valeur le dernier venu des unions au niveau national. Aujourd'hui, vous avez là expliqué un petit peu les intérêts des CCAS, mais est-ce qu'ils fonctionnent aujourd'hui pleinement? Est-ce qu'ils arrivent à accomplir leur mission? Leurs projets sont-ils atteints? Vous avez quelque part dit, oui, il faudrait que les élus mettent les moyens, etc. Mais concrètement, comment ça se passe aujourd'hui? Tous les CCAS de Mayotte ne sont pas au même niveau aujourd'hui. Tout à fait. Tous les CCAS ne sont pas au même niveau en termes de fonctionnement. Pour prendre l'exemple, à Sada, nous l'avons mis en place en 2015. Donc c'est une structure aujourd'hui qui monte en charge. Et avec la mise en place de l'étude Passe-Palas, là, en 2017, et là, j'en profite ici pour dire que la présidence va venir, suite, effectivement, ce trophée, va venir le 5 mai prochain pour qu'on puisse, avec l'Union nationale, rendre définitivement l'étude et fixer les orientations des CCAS. Tous les CCAS ne sont pas au même niveau de montage ou de monter en charge. À titre d'exemple aussi, le 6 ou le 7 prochain, nous sommes en train de le préparer, nous irons inaugurer le CCAS de Bueni. Bueni fait partie aussi des derniers CCAS qui sont arrivés. Donc il est nécessaire de mettre les moyens, monter les projets, aller chercher les financements au niveau de nos partenaires. Les partenaires classiques sont l'État, le département, mais aussi la Caisse de sécurité sociale, qui nous aide à décliner ces politiques. Il n'y a pas très longtemps, il y a le délégué interministériel qui est arrivé pour nous décliner le plan pauvreté à Mayotte. Eh ben, c'est une compétence complètement des CCAS, parce que parmi les thématiques qui ont été identifiées dans le cadre de l'étude Passe-Palas, c'est cette difficulté pour de nombreux Mahorais, ou en tout cas des habitants qui habitent sur cette île, qui ont des difficultés financières à vivre tout simplement. Donc la question de la pauvreté nous concerne. La question de l'accès aux droits, parce qu'on se rend compte aussi que beaucoup de personnes ne savent pas qu'ils ont des droits. Donc c'est au CCAS de détecter toutes ces personnes au niveau des territoires pour leur permettre de faire le lien entre nos territoires et le département pour que ces personnes accèdent tout simplement à leurs droits. Il y a la question des politiques à décliner ici en faveur des personnes âgées, en faveur des personnes en situation de handicap. Et à ce niveau-là, nous sommes encore très loin des standards métropolitains. Donc, il est urgent et primordial qu'on puisse soutenir les CCAS. Et c'est ce discours-là que nous menons actuellement en direction du département, mais aussi de l'État. J'ai eu personnellement à m'entretenir avec le sous-préfet chargé de la cohésion sociale ici, pour qu'on puisse nous aider en termes de moyens. L'UDCCAS a besoin d'avoir un animateur, un chargé de projet qui permettra de faire la coordination des 17 CCAS de Mayotte,
Parce que l'une des premières missions de l'Union départementale des CCAS, c'est justement d'aider les CCAS qui n'ont pas encore atteint un rythme de croisière en termes de formation des cadres, en termes d'aide au montage des projets, pour que chaque CCAS de ce département puisse décliner ces politiques en toute facilité. Alors, on a vu également rencontres organisées avec des associations à caractère social. Hein. Il y a l'UDAF, entre autres. La dernière fois, c'était à Sada pour parler des thèmes du grand débat national. Là également, c'est une façon de décliner quelque part les possibilités à faire ressortir les besoins des administrés dans toutes les communes. Tout à fait. En tout cas, nous, on a décelé vraiment la nécessité de travailler ensemble parce qu'on dit tous la même chose, mais la difficulté que nous avons sur le territoire, c'est de ne pas que chacun aille de son côté alors que finalement, ce sont l'UDCCAS et l'UDAF traitent finalement des mêmes choses, sauf que nous, les CCAS, nous avons les structures qui doivent décliner les politiques et l'UDAF, c'est quand même l'instance des familles. Donc, c'est intéressant de confronter les deux pour qu'on puisse orienter nos politiques et répondre au mieux aux besoins des populations. Est-ce que la population, justement, s'est réellement appropriée les CCAS ? L'impression que vous avez, vous, en tant que présidente de... Pas encore. Les habitants n'ont pas encore tout à fait identifié l'existence des CCAS et pourquoi ils sont là. C'est pour ça que nous avons une grosse action de communication dans toute l'île, dans chaque commune. Des journées portes ouvertes du CCAS, nous l'avons déjà réalisé en 2017 et en 2018. Et ce type d'action doit être accentué pour que les populations de Mayotte puissent s'approprier ces structures et surtout avoir recours. Parce que les gens ne viennent pas forcément. Je rappelle qu'à Mayotte, nous n'avons pas cette culture d'aller forcément au-devant des administrations pour réclamer nos droits. Donc c'est au CCAS aussi de s'adapter à cette difficulté pour aller au-devant de la population et les rencontrer et faire en sorte, chaque CCAS, par exemple, doit avoir un minima un travailleur social, par exemple un assistant social, pour justement faire cette activité d'identification des personnes sur le territoire qui doivent être aidées. Alors justement, est-ce qu'il n'y a pas, il n'y a pas de risque d'incompréhension de la part de la population sur la sécurité sociale, l'action sociale à la mairie, toutes ces œuvres sociales qui, finalement, quelque part, apportent peut-être des réponses similaires? C'est l'essence même de la mission du CCAS, c'est d'expliquer, justement, de recevoir un peu tout le public qu'on peut rencontrer sur un territoire. Et en fonction des doléances de chacun, des difficultés de chacun, c'est au CCAS justement d'assurer cette orientation, faire en sorte à ce que la personne, dans tous ces différents organismes ou instances qui agissent au niveau des politiques sociales, donc il y a le département, l'État, la Caisse, et en fonction des politiques spécifiques que nous menons, je prends un exemple, l'aide à l'énergie, les personnes qui ont du mal à payer leur facture d'eau, leur facture d'électricité, eh bien les CCAS ont la possibilité de signer des conventions avec EDM, la SMAE, le syndicat des eaux, pour qu'on puisse avoir des tarifs sociaux en vue d'aider ces personnes. Donc, en fait, tous les organismes qui peuvent développer une politique sociale, nous avons cette possibilité, en tant que CCAS, de signer des conventions avec ces organismes afin de décliner une politique pratique au sein des populations. Et à Mayotte, les besoins sont nombreux. Donc, la question de la pauvreté, de la difficulté d'accès aux droits, les politiques en faveur des personnes âgées. Nous avons, pour prendre l'exemple, il y a l'association France Alzheimer Mayotte qui fait un travail formidable ici avec un projet innovant qui consiste à réaliser des diagnostics
des personnes atteintes de cette maladie ici, hein, notamment nos personnes âgées. Il est inadmissible qu'il n'y ait pas un professionnel de santé, un médecin dédié, un gérontologue qui s'occupe des pathologies des personnes âgées. Donc, il y a un projet qui a été mené par cette association pour faire de du télédiagnostic, c'est-à-dire que le professionnel est à métropole et en même temps, par l'intermédiaire des technologies modernes, réalise des diagnostics territorialement. Donc voilà, c'est un exemple concret. Et la question des personnes âgées, des personnes en situation de handicap, je sais que l'ARS développe cette politique médico-sociale avec l'arrivée des différentes structures d'accueil des personnes en situation de handicap, mais nous sommes encore loin. Il y a la question d'accessibilité des personnes handicapées au niveau des bâtiments. Donc, en fait, toutes nos politiques publiques doivent prendre en compte cette question d'accessibilité afin d'intégrer au mieux les personnes en situation de handicap sur le territoire de Mayotte. Et sur ces deux politiques-là, personnes âgées, personnes en situation de handicap, nous sommes encore loin. Donc, nous devons vraiment renforcer nos efforts pour développer ces politiques ici à Mayotte. Vous parliez tout à l'heure de la visite de la présidente nationale des CCAS, en fait, donc au niveau national. Qu'est-ce que vous attendez de cette visite, à part l'inauguration du CCAS de Boigny? Voilà, donc nous sommes en train de préparer l'arrivée de Mme Joëlle Martineau, hein, qui est présidente de l'Union nationale des CCAS, qui viendra donc pour la deuxième fois à Mayotte le 5 mai prochain. Donc, elle a deux jours de mission, donc le 6 et le 7 mai. Donc, le 6 mai, elle viendra justement rendre définitivement les conclusions de l'étude Passe-Palas, puisque c'est une action financée par le FSE, donc toute action financée par des fonds européens. Il y a aussi tout un volet communication, hein, c'est les règles de l'art, hein, concernant les fonds européens. Donc, rendre définitivement donc, cette étude, ce qui nous permet aussi de tracer les perspectives au niveau des 17 CCAS, des politiques à mener. Donc, il y aura la préfecture, le département, la caisse et tous les partenaires potentiels qui gravitent autour des CCAS. Donc, nous aurons l'honneur de l'accueillir le lundi 6 mai et le 7 mai matin, on ira inaugurer le CCAS de Boigny, puisque c'est l'un des derniers CCAS qui sont arrivés. Merci beaucoup, Anshia Bamana, présidente donc de l'Union départementale des centres communaux d'action sociale de Mayotte. Merci d'avoir suivi Zakweli. Dans un instant, le journal en maoré avec Mona Saindou. Bonne journée à tous. Merci de votre fidélité. Marhaba vumliovan nawasi sayahandra yuta dakika 30 namuja. Bisungali gazeti vumujana wawe mwana saindu tsiurunguza. Marhaba bibi yumla watukufu salamu julanyu li haliji ilavutua na ujumlifu wazi shamanza madaili anozahusu zilikolititi sinupepe FSU Mayotte, CGT Edukaksyo na FAM. Le mtutu ikamba utuonzi ya nifumone ya leo na mfumota no yameso au jovenwa hasira zao kinyume na ishara ya vinga aljina la Blanqueur, waziri wa msomo leo haluma iti ya Faransa ya husu. Mtarumisho wazi likoli zambali na mbali loka na shariaini manzayo kubalishiha na mawakala madepite daguni ipari. Maji ya maisha zinde zirungulishao babu na babu unyumeni maji ikamba yanu ya senda na ushashiha haluma oleme ngupia besede maoreuntu ya lazimu ikemba watu waya hifadhi maoreunu mfano litisizo la tashawushi ya husena na maji lo la babu loka namba marke ingi harisi deza langulishia ambazo suzwa zirumishie hatu urengeza mtiluyo wa maji malagoni na harumu estiwa ya shimaore babu meonano isenda babu na babu wengi lwa heza uliji amba ilazimu watu wa zitaadhari shimu unu mtuutuo urengulishia amba uo kawastahi shari ya nili wafanishia nyumeni harumu alishirika la Carla Transport Mayotte mudhamana wali shirikalini kamba wae kaka maorebano wakati mtuto wako fangishi abie maza aregea rongwatumba na aniza namna yazi sharia za usu mtulio njiani wa mtuto wababu watu hazi waregea mahazini hausalama rangu isuki ya mfumuraru ya jana. Sharia ya vinga dina la waziri wa msomo Blanqueur ya husu mtarumisho wazilikoli ikubalisha na madepute be shama za madaliano raha leo na meso wasushuka mavareni hawirema.
Wasrema i sharia ini kiasi ya utosha wala inti mare handa, shamanzi kwa mbazini zuhusu lezili kolititi, sinu pepe efesu, mayotse jete edukasyon na FAEM, wavuta lijimba utosha kwa mbareni leo na meso uvande wa mumuju hao zove no, matungeo kinyume na sharia na odina mtilio ndiani wayo, sharia kwa mba mengoni na zuzu kwa mba dezire mwao ulio kwa mba mafundi wazili kolititi, wasubalijiwa mba wasukeno rongo rongo watu, kula tongo wawo wa surula mba wanafasi wawo za husu urenga au mrongo uo bila shaka utiwa ringa mwanapavi au wajawo deskole jina zilikolititi primeri amba zao zi watu wafanyi hazi vumoja harama majumba moja. Mshuke mabari ni kwamba usungulisha de isuku ya mfumotano ya meso wajawo yutu kasuku ya bili na meso woto husu de umgazi wa baonvi yazi isharia za husu funksion publik faitu wa hili. Mtutuho kinyume na sharia ya likoli ya nyume ni ihiroa o loa blanker, iheti wa mfumoti jao Faransa, be hunumaore yanziro para watu wa shuke mabareni mfumoti, lema na mafundi likoli walio mabareni mfumone ini. Zama zama daili ya nukabenze sharia ini ya tiluanziani, hususwa ni nukta ya handa yahe, ibalizao mafundi wa rongwe shitu wa itahao ya husu likoli au sirkali ya msomo. Wao kakubali waja wa mbaba ondiza likoli watojua watanganise wanazioni walikoli za utini na wao walio koleji. Kawastaha mgaudio ya msomo ya lise na ya mpihano ya baki au hazi zizimwe hatui likoli. Na kawastaha shika ozingulizao mawakala wa zama za dailiano na mazefuao zigaudziwe. Hunumaore wanu watutu hao wataha maha ya hazi zihasibiwe harmwa mshahara au retreti. Wazobenza waja wa mshahara yengezewe na indexation hatunda 53 harmamia na wataha wapare allocation familial yani marke ya usaidia ujama sawa na wanu walio Faransa mnufu. Fumotano, watu watoshuka mavareni ya husu mgaudio ya sharia ipingao mafanyahazi ya sirkali na uvandre wa CGT Education wareme uguguru ifanishi hao na la polisi Faransa wakati watu watusu hao. Alakuli halito kanziro mfumone na ufumotano unu watu wabingegari harhari na dagola momoju. Eba van rikabilita mbuza majinori de mwalifumbili na kumi na saba hawingi halisi leo waheza oliji hauzi tahadharisha. Azini izbenu halao kanamba marke nyingi na misadha mingi ya sirikali di atarishiwa atakemba watu wa regelezi maji ya rumwa isiwa ya shimaore mfano milioni za zidi 40 na mbili za euro zini za chuatama na mibi Erika Barret wakati ya kawaziri wasi za Faransa za honze ikali mwezi wa Februari mwa 2017 au wajao zaidi ya milioni 17 za euro zini tama ya tiwa na mibi Anik Girardin ikali mwezi wa Septembro de uo uo mwa 2017. Leo uzirongo wa wengi halisi lwa heza olji haotahadharisha wakazi na miunano ya babu na babu ya shika umnufu wa dhukuru otongo nordezi na rama isu ya shimaore safina sula unu wai kolektifu deza soafi du sud asijimu maswale Aurelien Fevrier. En fait, wa siri smaizi amba marke ministra akajai tianziani vani na president wa siamu hawende sa mbelizi hazi plan d'urgence yo wakawaiti anziani tena baisha mabu hazi lo kamba nekoli zifanyishiha be hazi zo kaza hisa ri tahamba ri juwe modeli marke zo zarumishiha ri paramba wa hazi za risa za kaza tu anziani deja zi handisiwa be ramongalia njema ri paramba tujuru i rezo yo yo yolo rezo ya studi maji ya stiha wanadema skutulo ya maji. Rikari taharaha ringalemba bahali maji yao kao protejewe utulevala. Watu wa sijaja wa hanyumba mabavuni, yani karibu na palilomba nebu selungwa maji yala wao uzimu. Ebyan, ripara mba tujuru nyumba zu raza babu. Nyombe sujaja na maji, wanadamu wa sulima, wa sutufanya zarde, malalawi ya shuka tujuru alumu ya maji yali bali. Donku, yu tujuru hawambia wakazi. Na madamana amba tambura haza babu, tambuza majiru haza babu. Mana tamashani ya shuko haruma tioni na yao kiasmema ya makundu. Na airesi asubeleha kampanyi za urambia amba na mwea rohote, na mwea fanyajau, na warambie majiani. Yanya rendreni, swaf, mana kwa shtuartiti yao yo, wasikarusio ilewa. Mbanide afanyao tuduzuwa maji. Esikwele vansi,
est-ce que les Veolia et ba undembani alma bandu ngine songle chamba barat ni colline il yararu ya lazimu iundwe bandu watsingoni bevan kamwe rapara banu raka husina udhamana tsoka yote ya hedalji ahorongwa bazi hazi swandi salini au lini collectif des citoyens de mayo to wana taratu dina mgilio hauko ingia wajeni hanja za shidani wala harmu albara la Afrik na wanu mademandeur d'asile na mnairongulishi hao wengine mwao watu kwamba wao urengwa na mne yangina utawa mufanisa na wao kwamba wala wa mabavu yangina mfano wala wa ukumori haujozungua maisha buru wa harmu esu ya shimauri loka na wengine mwao wao uregezi wa harmu wa itia wa harmu wa muda wale rambili za kamili za mhadisi fikira na tafakara moja na osu prefe ikade isuku ya jana wana wae shamaya kolektifu de situanyo wala wabanu walemi walemiwa mana kawapara majabu wa kubenzilia ikimba wayapare leo wasuenzia shai tafauti igyo baina ya zi nishanizini pia zo zingiao harumu esu ya shimaure na mne yao zirengu wao fimo silai unu mwana wae kolektifu asijibu maswali ya frati sufsaida Wasi manatara japarana patana na Faransa mpia siru jomba de hifa duya iti ya tuini. De hifa duya ni ama ni ya tijubana. Wasi sungalia wa walawa harmanatiza watongo mari ari madziyama bole le grand lac maafrikan wa jofriki wa shuko wabana maurebana. Wasi siru jomba nwa toala. Siru jomba tambuz loho na konroz loho na nguwadez loho na pia situz loho amba utuwa shuka na zubana. Chuzo surutambishia wasi wakazi vana makatirambomo na mneyo. Wala karsona amba isirikalia dola isfanya jitia deheta amba chutuzini ziyemana tini. Watuwa sungia hawa ingiman wala sharia kaisuwa ziyabe. Uruamudi samba tungotini au chini lazimi fanywe suambi wamba banta kapsi konro wamba rakapsi umani babo karusha tungotini fanywe watuwa suwali shia wasungia ata banta lini tungozini donku makatra disa suwala mba watuwa tungotini tufanywa o wasurele zamba watuwa o woka wala bandu moja banta kala bandu moja yanziro waregeza bandu moja mana wafobu henzi ya zinyengi mba wata regeze donku tungoyo wasurunga wari yanziro na wawo basuru wa disa basi ubandelo nziro na wawo basu ajali atu yo mana hidi ajali atu liwe ziro na wasi nekariburi ya maridish na mneo. Wasiro watungu karakubali mahadisi hili wajo na mneo. Donku uriambi ya nababu. Amba wasi honu, bandaloka amba wasi de matundanu ujwa zijirio, ribingea jauzi tishihada za tungu zinrizirungu wawo. Rungwa iwaru tufanya hazi, rilao na mneo. Na uwasurubazo, watarebezo be wasi hewa zuarubazo karajibwa nazo. Banda ya mfumo wa mtutuho ya wantu wahazi walishirika la Carla Transport Mayotte warege ya mahazini dhwamana walishirika lini wae anahanidza tu de isharia. Mtutuho kamba uka utiwanziani na kolektifu irongolishi yao ambaini ya watu wahazi walawa kwa range fungu harumashama tuka uyuti ya madailiano uone hanamba unu kawastahi isharia jula zozangulishi ya na udhwamana walishirika lini ikamba wewaja odura iso ya medef leo harumu ya shitiwa ya shimaure. Anani za tu zi sharia za lazimu zi istahiwe zirumishie ni kawa tosti ya mtu utu ndiani mana ndia wakawazidu ngajulahe zoka za stahi isharia. Karla Bartus asujibu maswala faidi swahili. Ma representant watu wahazi wakuambilwa rangu debu, wakuambilwa na la diekti, wakuambilwa na la CFE, na CFE-CGC, na CGTMA, ma syndika, amba yoti denamnei. Ni kama tu watafanya shitu yoti denamnei. Donko wako jwa feti amba tidinamne beka kawakaweleza watu wazi amba shtu wako fanya yoti haki, yoti sharia, yoka duganata shtu itokiri. Donku leo watu waele wapia, donk yodemana waregea pia hazini. Ti waeleza mayangu wako fanya operasyon, yodemana tikati pashia, donk tikati waeleza amba wa mnindrita nije. Wasi madzari dziha mba kula suku nika rinatambu, nika rinashitu, ritari adisi, risifanya azivu wa moja. Donk leo wamitzaelewa mana watu wafanya shtuyo. Paske wamitzo namba wafanya wamenye. Bika wafanya udai haki ya watu hazi. Donk leo, alhamdulillah, watu pia waregi hazinu. Deo na haniza tumba baondhi ya watu wano ikamba deo warungulisha amba watu anziani mtuto. Banka murungu wawo ukirikamba watu. Odungwa mendo mita na mhakimu zindezo za longoleshea mengoni babu. Harmoa ubande wa zivoti za libara la Europa stairishuwa otiale uraisi wa Rassemblement National ya toka harmoa msafara. Harmoa libavu lai bahari ya hindi na ingawa ya handa. Di harmoa ishtiwa ya shimauri ya subuhi ya leo mengonu nazo za tairishuwa harmoa mpango ya duwe winda harmoa hii. La pitalibuli ya shimauri ubande wa mumujo au wa jaudi muna na watayarishiwa na wanashama wa ikodi Marine Le Pen atokali mjeni wa jurnali ya ukwari banu handia za televizyon Mayotte la premiere. Narifite suku ya rana frama haba.
Marhaba Mouana Saindou, merci de votre fidélité. Il est 7h43 sur la première. L'édito, Ismaël Sedkombo. Et comme tous les matins, c'est Ismaël Sedkombo qui est avec nous pour l'édito. Bonjour Ismaël. Bonjour Yomna. Le réveil tardif des Comoriens, ces derniers, par la voix des candidats adversaires d'Azali Assoumani, avaient appelé à manifester hier. Une manifestation très vite stoppée par les gendarmes et qui intervient après l'annonce des résultats du premier tour. Des résultats sans nombre de votants ni taux de participation et qui indiquent de façon laconique qu'Azali Assoumani était sorti victorieux. Le climat politique s'est complètement dégradé. Le processus enclenché par le président Azali a atteint son point de non-retour. Oui, rien désormais, mais alors rien du tout ne saura empêcher Azali Assoumani d'aller jusqu'au bout de son plan. Chacun se souvient de l'habile manœuvre qu'il a utilisée au départ pour fédérer tout le monde autour de son projet. Le produit anesthésiant qui marche très fort là-bas, c'est ce qu'ils appellent tous la question de Mayotte. Et Ismaël, celle-ci fédère tout le monde autour de celle ou celui qui la soulève en premier. Oui, Azali l'a compris, voici quelques mois, et c'est ce qu'il fit. Voilà, Mayotte, 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 et tout le monde se met autour. Tout le monde se met autour de la question. D'abord, le bras de fer avec la France qui cherche à usurper une partie du territoire comorien, Mayotte donc, et crier sur tous les toits le droit international bafoué par ce pays des droits de l'homme, la France. Alors, tous les Comoriens s'unissent pour encourager le pouvoir et se lancer dans la bataille contre l'occupant à Mayotte. On en profite aussi pour introduire des assises très orientées avant de faire la conclusion connue d'avance sur une modification de la Constitution pour permettre au chef de l'État d'allonger la durée de son règne. S'ensuit alors un discours à la nation pour faire passer la pilule amère et annoncer l'organisation d'un référendum. Oui, et dans le même temps, on fait taire par tous les moyens quiconque tente de s'y opposer. Voilà où nous en sommes. Et un tel procédé a un nom, cela s'appelle un coup d'État constitutionnel. En tous les cas, toutes les démarches effectuées jusqu'ici par l'administration Azali réunissent tous les ingrédients nécessaires qui caractérisent ce genre de coup de force. Comme tout dirigeant africain qui se respecte, Azali Assoumani, putschiste à l'origine dans son premier mandat, n'a pas dérogé à cette règle. Et le premier tour de l'élection présidentielle aux Comores vient d'avoir lieu avec celle des gouverneurs des îles de l'archipel. Il a quand même pris le soin de neutraliser tous les adversaires sérieux et s'offre ainsi un boulevard sans obstacle vers sa victoire. Pour autant, Ismaël, les arrestations se multiplient toujours et face à cela, une répression pure et dure sévit à Moroni. Oui, journalistes et membres de la société, même les candidats adversaires civils aussi, ont fait part de leur inquiétude face à la recrudescence du nombre d'arrestations. Et sur la liste, il faut ajouter les deux animateurs radio qu'on connaît bien, dont le célèbre Abdallah Agwa, incarcéré et accusé d'incitation à la rébellion. Mais la marche, vous l'avez dit, a été stoppée net. C'était hier, à mi-parcours par les gendarmes. C'est vraiment la dérive dictatoriale qui vient de s'opérer. Il en aura sans doute, il y en aura pour très longtemps. Merci beaucoup Ismaël, cet édito à retrouver bien sûr sur le site de Mayotte la première et en podcast également. La suite d'ici quelques minutes, nous serons avec Siti Daroussi pour le bon à savoir, mais nous poursuivons avec le supplément et ça se passe donc avec vous Chafanti Alibako. Nous sommes déjà avec Johan Deleu. Oui, bonjour Johan Deleu. Donc vous êtes journaliste pour le journal de Mayotte. Bonjour.
Non, il n'est pas encore en ligne avec nous. Nous le retrouverons donc quelques secondes. Voilà, j'espère. Le temps juste de le rappeler. Et puis, je vous rappelle, donc, vous avez déjà l'occasion d'envoyer vos questions, si vous voulez, à City Darroussi, puisqu'aujourd'hui, nous parlerons de la garantie décennale, donc dans le bon à savoir, et puis vos questions aussi. Nous essaierons donc de les lire un petit peu plus tard, vos messages, vos réactions concernant les différents sujets que vous avez entendus. Et puis surtout, n'oubliez pas votre rendez-vous ce soir dans le JT avec Marine Le Pen. Chafanti Alibako, notre invité, est avec nous. Johan Deleu, est-ce qu'on a réussi à joindre Johan Deleu ? Allô, vous m'entendez ? Oui, bonjour, on vous entend. Donc il y a quelques problèmes puisque apparemment vous êtes dans la barge. Oui, c'est ça, et le réseau est assez hasardeux. Alors, donc, dans votre journal aujourd'hui, vous parlez, vous aussi, du porte-hélicoptère Tonnerre qui était à Mayotte, donc, dans le cadre d'une opération humanitaire à destination du Mozambique. C'est assez exceptionnel. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner davantage d'informations d'où nous vient ce bateau? Quelles sont ses particularités? Puisqu'on nous dit notamment qu'il pourra s'approcher au plus près des zones sinistrées. Oui, tout à fait. En fait, c'est un bateau qui est extrêmement polyvalent, hein, qui est conçu pour des missions très, très diverses. À la base, c'est un porte-hélicoptère de classe Mistral. Donc, c'est un appareil qui peut transporter 3 hélicoptères, mais qui est aussi équipé d'un port intérieur. C'est-à-dire qu'à l'intérieur du bateau, on a une cale sèche inondable dans laquelle se trouvent plusieurs barges, dont un catamaran, donc qu'ils appellent j'ai plus le nom en tête, mais un EDAR, voilà, un EDAR, c'est un appareil, un catamaran rapide, amphibie, qui peut du coup se rendre directement sur les zones inondées sans avoir à passer par un port comme les barges traditionnelles. Alors, donc avec ce type de bateau, on peut transporter plusieurs tonnes de matériel, notamment tout ce qui a été emmené hier, c'est-à-dire les 25 tonnes de matériel humanitaire, des glissants, du matériel de cuisine, d'équipes de construction d'abris, etc., dont le Mozambique a besoin aujourd'hui dans le cadre de son appel à la communauté internationale. D'accord. Et est-ce que vous avez des informations quant à l'organisation de la distribution, justement, puisque certains endroits paraissent vraiment très, très inaccessibles? Tout à fait. Alors, a priori, l'organisation des secours sur place sera chapeautée par la Croix-Rouge du Mozambique, donc avec en coordination avec les autorités locales. Donc là, pour l'instant, la priorité, c'est d'acheminer tout ce dont le Mozambique a besoin. Et une fois que l'aide internationale est arrivée, ce sont les autorités et les associations locales qui vont se charger d'organiser un petit peu toute la logistique pour distribuer, pour accéder aux zones sinistrées. Alors, concernant le personnel à l'intérieur du bateau, vous nous dites qu'il y aura également des médecins et tout ce qu'il faut pour soigner les blessés et les malades sur place. Tout à fait. Alors, ce bateau, c'est quasiment un hôpital flottant, hein, puisqu'on a à l'intérieur une unité hospitalière de 69 lits. On a 5 médecins, il y a 2 blocs chirurgicaux, il y a un cabinet dentaire. Donc voilà, c'est un peu un bateau dont on aimerait beaucoup qu'il revienne à Mayotte quelques jours. Alors, on apprend par ailleurs qu'il y a 130 élèves également officiers qui sont à bord. Oui, tout à fait. Le bateau était en mission de formation hein, pour ces élèves officiers. C'est en partie la raison pour laquelle on a vu beaucoup d'hélicoptères qui ont survolé le lagon hier, puisque certains officiers donc, étaient en formation depuis plusieurs semaines. Et là, avec cette mission humanitaire, ils vont achever précisément leur cycle de formation d'officiers de marine. Donc voilà, c'est une mise en application très pratique et très utile pour ces élèves. Alors, je ne sais pas si vous, autour de la table, ou vous également, Johan, vous êtes posé la question, mais alors cette aide humanitaire est stockée à Pamandzi depuis des années. Elle a été déployée donc pour le Mozambique. Est-ce qu'on sait pourquoi cette fois-ci elle a été déployée, puisqu'il y a déjà eu des catastrophes dans la région, par exemple à Madagascar? Alors non, pourquoi cette fois-ci au Mozambique et pas à Madagascar, je ne sais pas. Alors il y a peut-être eu de l'aide qui a été envoyée à Madagascar, peut-être que les stocks à La Réunion suffisaient et étaient plus proches pour rejoindre la côte est, c'est une autre possibilité. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a une demi-douzaine de pays hein, et d'îles de la zone qui sont partenaires de la Croix-Rouge, et donc la Croix-Rouge dispose de stocks dans chacun de ces pays partenaires pour justement avoir du matériel qui puisse être exporté en cas de catastrophe chez un des voisins. Donc là, en l'occurrence, le Mozambique est assez proche de Mayotte et on a donc cette aide de 25 tonnes qui a été mobilisée depuis Mayotte pour être acheminée au Mozambique et on a parallèlement 80 tonnes également de matériel qui ont été acheminées depuis La Réunion
avec l'avion Transal et avec le niveau qui doit rejoindre le tonnerre en fin de semaine. Merci Johan. Un mot peut-être sur également sur ce directeur d'école mis en examen pour deux viols présumés, puisque vous nous en parlez ce matin, des viols qui se sont déroulés en 2009, il s'agissait là d'une élève, et en 2016, c'est la maman d'une élève qui cette fois a subi un viol. Sait-on pourquoi il a fallu autant de temps pour que cette affaire éclate enfin ? Alors non, ce que je peux vous dire, c'est que l'enquête est issue de deux plaintes qui ont été déposées donc par les victimes. Donc on a ces deux plaintes qui sont remontées au procureur qui a décidé d'une information, enfin d'une enquête préliminaire dans un premier temps. Et l'enquête préliminaire a permis de réunir un certain nombre d'éléments qui ont justifié la saisine d'un juge d'instruction la semaine dernière. Donc le juge d'instruction a rencontré à l'issue de deux jours de garde à vue le directeur d'école en question et lui a signifié sa mise en examen. Ça veut dire quoi une mise en examen ? Ça veut dire qu'il y a un faisceau d'indices qui laisse penser qu'une infraction a pu être commise. Ça n'attend en rien à la présomption d'innocence. Il reste évidemment présumé innocent tant qu'il n'a pas été condamné. Pour l'instant, il n'y a pas de procès qui est programmé. C'est une mise en examen, c'est une étape de l'enquête. Et donc les investigations se poursuivent pour savoir s'il y a éventuellement eu d'autres faits, pour confirmer ou non les faits qui lui sont reprochés aujourd'hui, et pour savoir exactement où on va par la suite. Dans l'état actuel des choses, on en est là. On a une enquête en cours, on a un suspect qui est présumé innocent, et on a une procédure judiciaire qui en est encore au milieu. Et vous précisez donc qu'il n'y a pas prescription sur les faits, bien que 10 ans se soient écoulés. Non, tout à fait, puisque depuis 2018, depuis le milieu de l'année dernière, on a une nouvelle loi sur la prescription concernant les crimes sexuels sur mineurs qui porte à 30 ans la prescription au-delà de la majorité. C'est-à-dire que si dans votre adolescence ou dans votre enfance, quelqu'un est victime d'un crime ou d'un délit de nature sexuelle, il peut porter plainte jusqu'à ses 48 ans. Merci beaucoup Johan Deleu pour toutes ces informations et ces précisions. Donc je rappelle que ces deux articles, porte-hélicoptère tonnerre qui emporte 25 tonnes d'aide pour le Mozambique et un directeur d'école mis en examen pour deux viols présumés sont à lire ce matin dans le journal de Mayotte. Merci. Bonne journée, au revoir. Et vous avez également l'occasion d'aller lire aussi un sujet proposé par la rédaction radio de Mayotte, la première sur le site internet concernant donc ce directeur d'école mis en examen pour viol. Merci donc de votre fidélité à la première. Elle vient de nous rejoindre, c'est Siti Daroussi. Pour le bon à savoir, bonjour Siti. Bonjour Yumna, bonjour à tous. Ce matin, vous nous parlez donc de la garantie décennale, mais qu'est-ce que c'est ? C'est une responsabilité qui pèse sur les constructeurs à l'égard des maîtres d'ouvrage, c'est-à-dire le commanditaire du projet. Et donc, la garantie décennale couvre certains dommages qui peuvent affecter une construction, par exemple dans sa solidité, durant une durée de 10 ans à compter de la réception des travaux. Elle ne concerne que les travaux de construction et les ouvrages immobiliers au sens du Code civil de l'article de 1792, français pas le front. Exemple des travaux de construction ou de reconstruction ou encore des travaux de réhabilitation ou de rénovation. Et quels sont les dommages pris en charge par cette garantie ? Pour être couvert, les dommages doivent compromettre la solidité de l'ouvrage ou le rendre impropre à son utilisation. Par exemple, des fondations qui ne sont pas conformes, des murs dégradés. Il peut s'agir aussi de grandes fissures, de glissements de terrain ou encore d'un défaut d'étanchéité. Les dommages peuvent concerner aussi la toiture, la charpente et donc les murs. Et les travaux importants de rénovation comme l'agrandissement d'une habitation ou la réfection totale d'une charpente sont aussi concernés par cette garantie décennale. Et comment se fait la mise en place de cette garantie ? Le constructeur doit être couvert par une police de responsabilité civile décennale au moment donc de l'ouverture du chantier. La réception du chantier donne le point de départ, marque le point de départ officiel de la garantie. La garantie stipule que le constructeur est déchargé de ses responsabilités à la fin des 10 ans, à compter donc du jour de la réception des travaux. Et selon la loi, la responsabilité décennale du constructeur ne sera pas retenu si le constructeur démontre que les dommages qui proviendraient d'une cause étrangère comme un événement imprévisible pour le constructeur
Donc si l'événement est imprévisible, donc c'est pas de sa faute. Donc normalement, la guerre, il ne sera pas tenu responsable. Mais la simple constatation d'un désordre, comme on l'a dit, non conformité des fondations, eh bien cela relève de la responsabilité du constructeur. On peut donc se retourner contre lui, ce qui n'est pas bon pour son entreprise, puisqu'on peut, nous mettre l'entreprise dans une position délicate. Et du coup, on demande donc aux constructeurs, aux artisans, de prendre la garantie et de se rapprocher notamment de la Chambre des métiers ou voir des assurances pour se renseigner s'ils n'ont pas encore pris la fameuse garantie décennale. Merci Siti Daroussi pour toutes ces informations. J'aime bien parce qu'Ismaël a écouté attentivement. Mais c'est lui qui m'a comme donné toujours l'idée là. Comme toujours, je l'écoute avec beaucoup d'attention. Et j'imagine qu'avec cette garantie décennale, on n'aura jamais plus de route avec des nids de poules partout. Parce qu'on construit une route aujourd'hui. Au bout de 2 ans, c'est fini. On n'a plus de route, mais on a Mais est-ce que les propriétaires ou les commanditaires des travaux concernés ont fait jouer la garantie décennale? Ben justement, parce que nous en parlons. Faudrait leur demander. Ils vont faire en sorte que la garantie intervienne. Voilà, exactement. Et d'ailleurs, on se donne rendez-vous à partir de midi pour Place 14. 12-14 et juste après 13h, donc le journal Place Publique, on y arrive. Et puis ce soir, donc n'oubliez surtout pas le journal, même si vous êtes déjà nombreux à nous suivre tous les soirs. Aujourd'hui, donc, nous aurons comme invité... Dans Place Publique Saïd Soufou. Place Publique, cela ça aide Soufou. Et on continue nos émissions sur l'Europe. Et aujourd'hui, il sera question de la politique européenne de la concurrence. On parlera vie chère, monopole, etc. Voilà. Et ce soir, donc, au journal télévisé, nous serons donc avec Marine Le Pen. Voilà, vous aurez donc l'occasion de réagir sur la page Facebook de La Première. Merci, mesdames et messieurs. Ismaël, François également, d'avoir réalisé la matinale. Passez une agréable journée. On se retrouve demain.